Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ivory Sports Talk, le podcast préféré de ton podcast préféré avec ton podcasteur préféré. Et aujourd'hui, ton consultant foot préféré. Salut mon gars, comment tu vas? Ouais, bonjour Franck, je vais très bien. J'espère que c'est pareil de ton côté. Yes, super. Merci de nous donner un peu de ton temps. On sait que tu as attendu sur les plateaux, sur les émissions, mais aujourd'hui, tu nous donnes un peu de ton temps pour qu'on puisse débriefer de cette fenêtre internationale de l'équipe de Côte d'Ivoire. Toi, c'est quoi ton avis général sur ces deux matchs qu'on a eu contre le Bénin et contre l'Uruguay hier? Alors, d'abord, il faut dire que je suis satisfait. Satisfait de la prestation d'ensemble de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Certes, le match face au Bénin, nous n'avons pas gagné. Beaucoup auraient voulu qu'on donne une belle correction aux Béninois. Mais il faut dire aussi que le match face au Bénin, c'était juste un match de gala, un match d'adieu face à Masgalais. Donc, il n'y avait pas autant d'enjeux. Par contre, face à l'Uruguay où l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le champion d'Afrique était attendu, ils ont bel et bien répondu présent et vraiment, je suis satisfait pour ces deux matchs amicaux que nous venons de disputer. Là. Effectivement, comme tu as dit, avant que le rassemblement commence, on s'est dit, bon, le Bénin, moi, ce que je me suis dit, c'est que le Bénin, c'est un peu une formalité. Et ça risque d'être un peu compliqué contre l'Uruguay, mais en fait, on a un peu appris sur place pendant le match ou un peu avant le match du Bénin qu'en fait, c'était un match vraiment sans enjeu. Quoi. C'était vraiment le dernier match de Gradel, c'est un match de gala. Et en fait, on a senti même dans l'attitude des joueurs qu'ils n'ont pas forcément donné le maximum. Quoi. C'était vraiment un match hommage à Max Gradel. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on a tous remarqué. Hein. Dans l'ensemble, il y avait trop de déchets, dans le jeu. Chacun voulait se faire plaisir, comme on le dit, c'est un match de gala. Parce que les matchs de gala, vraiment, chacun essaie de se faire voir. Et certainement, c'est ce qu'on a tous vu. Et il faut aussi dire que le coach a voulu faire quelques tests dans le jeu. Par exemple, quand tu vois sur le côté latéral, le côté gauche d'Ismaël Diallo qui a été mis pour la première fois. Voilà. Et Jérémy Boga qui a été mis en 10, là, on a vu juste que voilà, c'était juste un match de gala, tout simplement. Donc, les éléphants n'y sont pas allés au fond. C'est ça, beaucoup de turnover dans ce match. Mais est-ce que malgré le fait que ce soit un match un peu de gala, ce match contre le Bénin, est-ce qu'il y a quand même des petits trucs qu'on peut retirer de ce match? Par exemple, Diallo sur le côté, est-ce que tu penses que Diallo, ça peut être une véritable doublure pour Gerson Akonnan? Parce que moi, je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup d'erreurs, qui faisait beaucoup de fautes. Il y a des moments, mais il peut enchaîner 3-4 fautes, il était toujours dépassé. Et moi, je ne l'ai pas trouvé fiable, en fait, pour la suite. Bah, pour l'heure, on dira non. Je dis non parce que il n'a pas été très convaincant, mais il faut aussi le comprendre, tu vois. Pour ton premier match, où vous êtes champion d'Afrique, vous êtes tellement attendu, et il y a le stress, tu vois, ça peut arriver. Sinon, quand on suit un peu actuellement son parcours, on voit qu'il est vraiment en forme et que c'est un excellent joueur, en fait. Donc, on ne peut pas réussir pour la première fois son premier match. Donc, il va falloir encore lui donner assez de temps. Mais lui aussi, il va falloir aussi qu'il sache saisir les opportunités qu'on l'offre, tu vois. À lui maintenant d'élever le niveau et de prouver qu'effectivement, qu'il peut être une bonne doublure pour Gerson Akonnan. Sinon, pour l'heure, ça n'a pas été très rassurant. Et moi, je disais avant le début du rassemblement, je disais que c'était un rassemblement assez light. Faye a dit que c'était vraiment petit tour d'honneur, pas vraiment d'enjeu. Mais je disais qu'il y avait des joueurs qui avaient un peu à jouer quand même lors de ces rassemblements-là. Et tu as parlé même de Faye au niveau de la composition d'équipe qu'il a essayé de reconduire contre l'Uruguay. Le 4-2-3-1, là, honnêtement, moi, je ne suis pas fan. Je suis pas fan parce que on sait que Kessier en double pivot c'est pas trop ça. Je trouve que Seri est encore en train de descendre un peu progressivement en niveau de jeu et Boga se débrouillait un peu devant les attaquants. Mais je trouve que le 4-2-3-1 là, bon, fallait essayer de l'essayer deux fois, mais je suis pas encore convaincu. Toi, dans le match du Bénin, tu penses que c'est uniquement une question de forme des joueurs, d'envie, ou est-ce que tu penses que le système aussi n'a pas aidé au bon déroulement de la rencontre? Le système, oui. Le système n'a pas aidé parce que quand il prend d'abord à la défense Ousmane Diomandé et Willy Boly qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Donc, c'était un truc aussi qu'il a essayé. Comme on le dit, c'était des essais.
Et comme tu l'as bien si dit aussi, même dans le milieu, c'était pas trop ça. Donc, il pense bien qu'il tire des leçons, à chaque fois il tire des leçons de ce système de jeu. Et on voit très bien que lorsque ça ne va pas, il change le système pour pouvoir l'améliorer. Donc, les matchs amicaux, effectivement, sont faits pour cela. Il faut faire ces tests. Il faut essayer des systèmes. Il faut mettre d'autres joueurs parce qu'on ne sait jamais. Par exemple, là, on sait tous très bien qu'il aurait voulu que tous ces champions d'Afrique soient présents. Malheureusement, il y a eu des blessés. Donc, vous voyez, donc, c'est très important de changer des systèmes. Et à tout moment, au cours du match aussi, essayer de les ajuster pour, voilà, obtenir la C'est victoire. vrai que comme tu as dit, bon, c'est les matchs amicaux. Les matchs amicaux sont faits pour tester aussi. Donc, on a vu, pour refaire un peu le scénario du match contre le Bénin, on encaisse un but très tôt avec Crasso qui fait un CSC. Bon, le but a été accordé à Olaïtan, mais pour moi, c'est plus un CSC que truc. Et un deuxième, donc après égalisation de Max Gradet sur coup franc, incroyable, il est aux larmes, mais c'est incroyable. Après, tu as. Deuxième but du Bénin après une mauvaise relance, après un corner, une mauvaise relance de série. Et du coup, le but derrière encore, machin. Et enfin, tu as la bonne rentrée, on peut dire bonne rentrée de Diakité, bonne rentrée de Guela Doué, qui font du bien à cette équipe et qui lui permettent en fait de revenir au score et d'avoir un peu de peps, avoir un peu de jus. Et on se demande, moi je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rentrés plus tôt en fait? Parce que si tu remarques bien, la Côte d'Ivoire est, bon, à part les matchs un peu contre le Congo, et bah, au final, que le match contre le Congo et le premier match de la CAN contre la Guinée, la Côte d'Ivoire est une équipe à réaction. On est une équipe de deuxième mi-temps, une équipe qui joue sur ses remplaçants. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais je vous pose la question, jusqu'à quand? Bah, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que le coach, en fonction du jeu, il s'est ajusté son système de jeu au cours du match, tu vois, un peu. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est que avant un match, les coachs ont des systèmes, hein, ils ont établi des systèmes en se basant sur des vidéos de l'équipe adverse, tu vois. Donc, du coup, je me dis, bon, OK, si aujourd'hui on affronte telle équipe que je donne un nom, par exemple que Moussa, aujourd'hui, juste sur le côté gauche, voici le système de jeu. Mais tu vois, tu te rends compte que lorsque le match va débuter, que Moussa ne joue plus sur le côté gauche, mais surtout en milieu de terrain. Alors que lui, le coach, lui, il a déjà établi un système sur lequel il comptait. Et voilà que tout change. Donc tu vois qu'en cours de match, donc dès l'entrée du match, c'est difficile pour lui de pouvoir décider du coup, C'est pour dire ça. bon, Guélagnon rentre, toi tu sors. Alors donc, il laisse dérouler le match. Et en fonction de la première mi-temps, il se rend compte que, OK, si le match se joue avec plus d'intensité, dans ce cas, il faudrait mieux faire entrer Oumar Diakité, qui est plus bouillon, pour pouvoir faire reculer l'équipe adverse. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le coach, tu vois, excuse-moi du terme, ce n'est pas un magicien pour pouvoir savoir que aujourd'hui, tel joueur pourra être performant. Mais en fonction du jeu, c'est ça, on dit un bon coach, au fait. En fonction du jeu, il faut savoir réajuster son système afin de pouvoir sauver le match. Et il réussit à le faire. Il réussit à le faire. Et c'est pour ça que je dirais que là, Emmet Faye joue vraiment Oui, son mais rôle moi de je suis coach. totalement d'accord avec toi sur la capacité d'adaptation de Faye. Il fait des remplaçants qui sont des remplacements pardon, qui sont décisifs et les remplaçants prouvent qu'ils ont leur place sur le terrain à l'instant T, tu vois ce que je veux dire? Mais ma question c'est que la Côte d'Ivoire a du mal à dicter son rythme en général sur les derniers matchs de Faye qu'on a vus en tout cas. Honnêtement, à part certains matchs, on a été souvent dans la réaction. Et tu vois, la réaction, c'est bien. C'est bien. Contre le Mali, c'est passé à ça. Contre le Sénégal, c'est passé à ça. Bon, au final, contre le Nigeria, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'ai envie de te dire, la réaction, est-ce qu'on va être toujours une équipe à réaction? Ou est-ce qu'un jour, on va devenir une équipe aussi qui arrive à imposer son rythme et à rester sur une logique durant tout le match sans forcément changer du tout au tout à partir de la 60e minute? Parce que je pense que c'est bien sur certaines rencontres en Afrique où tout, on peut tout créer quelque chose, comme on dit. Mais le jour où on se retrouve contre une nation européenne, une nation un peu plus forte que nous, est-ce que la réaction, ça va toujours nous permettre de gagner des matchs? Bah, tu vois, ce que tu dis est tellement vrai que ce n'est pas la première fois qu'on voit cela et on a toujours décrié cela, au fait, tu vois. On est toujours là, même autant même des Yaya Touré et autres. On n'arrive même pas à imposer notre jeu et c'est ce que beaucoup reprochaient à tous les coachs, même aux joueurs. On ne sent pas des joueurs
qui ont faim. Tu vois, c'est un peu ça le flow, au fait. Parce que quand tu joues avec des joueurs qui ont la rage, qui veulent vraiment une victoire, qui mouillent le maillot, on arrive à livrer du beau jeu. Par exemple, si tu prends le match d'hier face à l'Uruguay, je pense bien que c'est ce qu'on a envie de toujours voir. Tu vois, c'est ce qu'on a toujours envie de voir. C'est-à-dire une équipe imposante qui décide d'accélérer le jeu quand elle veut et ralentir sur eux quand elle veut. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a envie de voir. Malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Tu vois, hier, on dira la Côte d'Ivoire a livré un bon match, mais tu vois que demain, ça risque de ralentir. Toujours, on retombe dans les mêmes erreurs. Donc, comme on a l'habitude de dire, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de Kélagnon Doué et de Ouma Diakité qui sont entrés et qui ont changé le cours du jeu. Et c'est ce que j'ai demandé à l'autre, là, Ismaël Diallo. C'est-à-dire, lorsque le coach fait entrer l'équipe nationale, la Côte d'Ivoire est composée de 28 millions d'habitants. Donc, lorsqu'on prend 27 personnes, c'est-à-dire que vous êtes les meilleurs Ivoiriens qui savent, vous êtes les meilleurs, c'est-à-dire vous savez jouer plus au foot que les autres et qui sont restés. Donc, ça à vous de vous battre pour maintenir votre place, tu vois. Et lorsque tu rentres, même que ce soit un bout de match, un bout de temps de 10 minutes, 5 minutes, donne-toi au fond, va au charbon et montre au coach qu'effectivement, coach, tu peux me faire confiance. Coach, et que je suis là. Et je vais raconter une petite anecdote là. Là, par exemple, il y a Kader Keïta qui disait que lui, quand il joue en équipe nationale, lui, il ne demandait pas 90 minutes. Il demandait juste au coach, fais-moi entrer, si tu veux, 2 minutes, même 30 secondes, je vais faire mon travail. Et pour ceux qui l'ont suivi, Kader Keïta, qui est de la génération dorée de Didier Drogba, Aki Konawuna, des années autres, lorsqu'il rentrait, même que ce soit 30 secondes, bah, le public était vraiment en joie. Et posé, tu vois, parce que lui, il avait l'amour du pays. Il voulait montrer au coach que oui, effectivement, que je suis là. Donc, c'est un peu cet état d'esprit qui manque aujourd'hui aux autres. C'est ce qu'on leur reproche, au fait. Parce que la place, les places se font beaucoup, tellement de beaucoup plus cher en équipe nationale en ce moment. Hein. C'est à toi de prouver. Et tu vois, et là, du coup, excuse-moi, je tire déjà le chapeau à Emmanuel Agbadou hier parce que, tu vois, il a été appelé en placement de Ivan Diga. Et regarde ce qu'il a fait, le gars. Il a prouvé. Donc, du coup, là, il met la corde au cou du coach. Est-ce que pour le prochain rassemblement, si Evan Diga est disponible, est-ce qu'il laisse Emmanuel Agbadou avec ce qu'il vient de faire? Pareil pour Wilfried Tsengo. Donc, c'est un peu ce qui nous manque. C'est vrai, parfois, on accuse le coach, mais parfois aussi, il faut reconnaître aussi que les joueurs aussi ne se donnent pas à fond. C'est exactement ce que tu dis. Moi, je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Les places se font beaucoup plus chères en équipe nationale. Et bien vrai que le rassemblement était un peu relax et tout ça, au final, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent se faire du souci par rapport à la suite et à certains aussi qui sont venus créer des problèmes à Faé. Et bon, ça nous fait une bonne transition sur le match d'hier. Je pense que moi, mes enseignements du match d'hier, c'est que Tsengo et Guila Doué sont venus nous montrer au final que malheureusement... Bon, c'est mon premier enseignement du match, on parlera des autres, que si on a Guila Doué et on a Tsengo, honnêtement, on n'a plus... C'est peut-être un grain, franchement, on est reconnaissant de tout ce que Aurier a fait, mais est-ce que, pour toi, aujourd'hui, Aurier a encore sa place dans cette équipe nationale-là en ce moment? Alors, Aurier, je dirais oui et non. Oui et non, non. Oui, parce qu'aujourd'hui, le seul doyen... Mas Gradel, donc on avait surnommé Paul Biya, excusez-moi du thème. Alors, après sa retraite internationale. Donc, du coup, on se retrouve avec le seul doyen qui est Serge Aurier, tu vois. Serge Aurier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Aurier est en baisse de forme, de régime physiquement et autres. Mais c'est toujours important d'avoir un ancien de l'effectif, tu vois. Donc, on peut s'en passer de lui. Oui, on peut s'en passer de lui. Mais comme on le dit, tant qu'un joueur n'a pas encore pris sa retraite internationale, on ne sait jamais, tout peut y arriver. Donc, on peut l'avoir dans l'équipe, pas en tant que joueur titulaire, mais en tant que doyen. Parce qu'à tout moment, comme je le dis, Wilfried Tsengo peut se blesser. Et pour un joueur qui n'est pas trop habitué à des grandes rencontres, parfois ça pèse. Parfois, c'est difficile de pouvoir remonter... le moral lorsqu'on est vraiment écroulé. C'est le cas.
de ce qui s'est passé lors de la CAN. Bien vrai que, en tant que joueur, après s'il est dans le staff, en cadrant, tout ça, moi je suis totalement pour. Mais en tant que joueur, on est, à la CAN, on est parti avec deux latéraux droits. On est parti avec Aurier et avec Sengo. Est-ce que toi, tu nous vas aller une prochaine CAN avec trois latéraux? Donc tu prends Aurier, Guiladoué et Wilfried Sengo. Bah, au final, tu aurais pris la place de quelqu'un qui aurait pu jouer à un autre poste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis. En fait, tu vois, ce qui fait un peu aujourd'hui, on peut s'en passer, comme je dis, on peut s'en passer de ces joueurs. Mais aujourd'hui, ce qui fait la force de Aurier, c'est que on dira que c'est le capitaine, tu vois. C'est tellement le capitaine. Et vraiment, comme on le dit, il joue vraiment un rôle, un grand rôle dans, au sein de l'effectif. Donc, en tant que capitaine, c'est ça sa force aujourd'hui, tu vois, au fait. C'est sa force qui est là. Donc. Tu ne veux pas te lever un matin comme ça pour s'en passer de lui. Mais je pense qu'on peut s'en passer de lui, oui. C'est un gros risque, mais on peut le faire. Tenter, de toute façon, on verra pour la prochaine fenêtre de juin. Toi, au match d'hier, du coup, Côte d'Ivoire-Uruguay, on a gagné 2-1. Un match relativement maîtrisé de bout en bout avec, comme tu as dit, une équipe uruguayenne pas très flamboyante offensivement, surtout. Moi, c'est ça qui m'a surtout frappé. Toi, c'est quoi tes highlights du match? C'est qui le joueur c'est qui les trois joueurs qui t'ont le plus marqué du match hier? Alors, il faut je commence d'abord par la défense, hein, parce qu'il faut dire que Dylan Kosono, Wilfried Sengo, et en milieu de terrain, je prends Lazare Mani. Et puis, je peux ajouter un quatrième, ça sera Emmanuel Agbadou. Alors, excuse-moi, je ne dis pas que les autres n'ont pas été performants. Par exemple, quand tu prends Jocelyn Koundé, on est habitué à le voir jouer. Donc, pour lui, il n'y a rien à dire sur lui, au fait, tu vois. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire à son niveau. Il a été propre. Mais là, j'ai cité les cadres parce que quand tu prends Odilon Kosono, qui, durant la CAN, n'avait pas une place de titulaire et qui vient jouer face à l'Uruguay et qui livre un excellent match ainsi, vraiment, je lui tire le chapeau. Pareil pour Emmanuel Agbadou qui était sur le côté gauche avec lui. C'est vraiment exceptionnel. Et aussi le cas de Wilfried Sengo. Tu vois. Donc Lazare Mané, pareil. Parce que, exactement, j'avais dit avant le match comme ça que c'était lui la doublure parfaite de Sekou Fana. D'ailleurs, même, je l'ai nommé l'Iniesta du football ivoirien. Et que si on devait, si la Côte d'Ivoire voulait gagner forcément les Uruguay, il fallait le mettre en début de match. Effectivement, Il croit bien que coach Fayet il est abonné à bien à entendu mon message, effectivement. il l'a fait. Bah, tu sais, dans l'ensemble, les gars nous suivaient. Donc, de temps en temps, ils nous rendent dans notre inbox pour nous dire voilà, il y a sa critique. Donc, ils pensent bien qu'ils suivent très bien tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Et effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que Lazare Mani a fait un gros match dans l'intensité, dans la conservation du ballon. Franchement, c'était vraiment parfait, quoi. C'est vraiment ce dont on avait besoin pour ce match-là. Parce que comme j'ai dit, moi, je trouve que Seri est en perte de régime. Dans le plan de base, il faut qu'on se dise la vérité, dans le plan de base, Seri n'était pas censé être titulaire à certains matchs de la CAN. Le coach avait son idée de Sangaré, Seko et Kessié. Bon, ça n'a pas marché parce que, évidemment, ça n'avait aucun sens parce que c'est trois fois le même joueur, mais dans l'esprit de Gassé, on partait pas avec un Seri titulaire. C'est Faye qui l'a remplacé. Et je pense que Faye l'a remplacé parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer devant la défense comme ça à ce poste. Donc Seri fait le taf. Il a fait deux gros matchs, je trouve, à la CAN. Mais ce profil-là au milieu de terrain, je trouve que Seri est en train un peu de baisser en régime. Et du coup, ce match d'hier, avec l'énergie que Lazare Mani a apporté, a pu compenser avec un peu la baisse de régime de Seri. Et je dirais aussi que Kessié, bon, c'est mon avis, hein, mais je trouve que Kessié joue un peu quand il a envie de jouer. Il est sur le courant alternatif. J'en suis 15, 20, 20 minutes, il va être là comme ça, il ne fait pas grand-chose. Après, il va accélérer. Après, il ne joue pas. Après, il va accélérer. Et du coup, ça fait que quand on est dans des temps faibles et que Kessié n'est pas son milieu de jeu, ça nous met beaucoup en difficulté. Tu marqueras dans le match hier, en début de deuxième mi-temps, les Uruguayens ont un impact de fou. Et pendant 15-20 minutes, tu ne vois pas Kessié. D'abord, parlant de Seri, Michael, bah, lui, il faut dire, comme tu l'as dit, à la CAN, Jean-Luc Gassé ne comptait pas sur lui.
Il avait déjà son milieu à lui, Sangaré, Franck Kessié, Seko Fana. Mais il faut dire que même pour les supporters, même pour ceux qui ne suivaient pas le match, qui ne suivaient pas trop le football, savaient que Seko, Franck, oui, Seko Fana, Franck Kessié et Sanga Ibrahim ne pouvaient pas tous jouer ensemble, qu'il fallait qu'il ait un sur le banc de touche parce que c'était déjà Effectivement. trois profils un peu identiques, tu vois. Donc, beaucoup réclamaient la présence de Seri Mikael en milieu. Et quand Faye est venu après le départ de Jean-Luc Gazé, chose qu'il a fait, et ça a payé, tu vois. Ça a payé. Et pour ses performances qui sont un peu en baisse, il faut dire que c'est pas de sa faute. Hein, parce que Seri, il joue en championship, tu vois. Et là-bas, sur les 30 derniers matchs, hein, c'est tous les matchs joués par Hull City, il a été 30 fois titulaire, tu vois. Et il a au moins 81 minutes par match. Tu vois un peu. Alors, on connaît tous la championship, c'est tellement élevé Il est physiquement. Donc fatigué. le gars, vraiment, c'est un combattant, au fait. C'est un combattant. Donc il est fatigué, tu vois. C'est fatigué. C'est pareil un peu ce qu'il disait lorsqu'on avait joué contre le Bénin, que nos joueurs étaient tellement épuisés parce que ils sont tous titulaires en club, tu vois. Ils jouent tous les matchs. Ils jouent tous les matchs. Donc, les déplacements, les voyages par-ci, par-là, ça joue aussi. Et pour moi, par exemple, j'ai été aussi académicien, c'est-à-dire j'ai été aussi footballeur. Du coup, tu vois, quand je porte des critiques contre un joueur, il sait ce que c'est que d'être footballeur. C'est-à-dire, tu peux être en forme à l'entraînement le lendemain, avant le match, et le jour J, arrivé sur le terrain, tu peux La sentir fatigue. un truc en toi, tu vois. Et du coup, tu te retrouves plus. La fatigue, tu te retrouves plus. Tu as l'impression que tu n'es plus toi-même. Donc, parfois, on ignore tout cela. Et ça, c'est juste le mental. Tu vois, c'est juste le mental. Mais il faut dire que Seri, vraiment, il est vraiment épuisé. Mais quand Seri est là et qu'il se sent qu'il est en forme et qu'il veut jouer son football, vraiment, c'est du pur régal, au fait, tu vois. Mais concernant Franck Kessié, moi, je ne vais pas le cacher. Franck Kessié, pour moi, c'est un bon milieu, mais pas un excellent, excellent, excellent milieu. Le jeu de Franck Kessié, au fait, c'est le gars, et c'est pas, c'est comme le profil un peu genre à N'Golo Kanté autrefois. Le gars fait le sale Il est dans travail, au l'ombre. fait, tu vois. Il est dans le milieu, tu le sens pas en tant que tel. Mais si tu le sues, si tu le sues, là, je le dis bien. Pour ceux qui suivent un peu les mangas, il y a un jeu qu'on appelle Kuroko Basket, où Kuroko, il est dedans, il ne marque pas, mais si tu suis le jeu, tu comprendras à quel point il est indispensable, en fait, tu vois. Il est là, les petites choses qu'il fait que tu ne vois pas. Seuls les joueurs qui l'affrontent savent à quel point Franck Kessié est un, je dirais, une épine pouée en fait, dans Ouais, le je vois. système de jeu, tu vois. Donc, lui, c'est comme ça, il est. C'est comme ça, il est. Il n'accélère pas en tant que tel, mais tu vois un peu, je dirais, c'est un peu voilà, le couteau dans le beurre. Il est Donc. indispensable, on le voit pas forcément, mais il est indispensable, on a besoin de caissier. C'est lui qui met l'équilibre au milieu, en fait. Effectivement, bizarrement, c'est comme moi, je dis toujours que les gens, ils aiment être fixés plus sur les buteurs, mais ils oublient que le jeu commence à partir du gardien. Et à partir du gardien, de la défense, à partir du milieu, jusqu'en attaque. Et si hier, la Côte d'Ivoire a pu s'imposer face à l'Uruguay, c'est parce que dans la bataille au milieu du terrain, on l'a gagné. Il faut le reconnaître. Parce que sans ça, il n'allait pas avoir de bonnes C'est ça, je suis transitions en totalement d'accord avance. avec toi. Et moi, mon Tu point, vois? le truc que j'ai remarqué le plus, dans ces deux matchs dans le changement, si tu remarques bien contre le Bénin, on a toujours le 4-2-3 là, avec Boga qui jouait devant Seri et Kessié. Mais tu vois que dans l'animation défensive et offensive, on avait toujours le même schéma. Du coup, ça faisait que les Béninois étaient très portés sur notre milieu de terrain. Ils défendaient avec limite une ligne de 5 en 4-1-4-1, avec une ligne de très forte au milieu qui nous empêchait de ressortir le ballon. Sauf que hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on défendait en 4-2-3-1, donc avec Lazare Hamani qui était un peu devant Kessié et Seri pour faire les efforts défensifs avec Oumar. Mais lorsqu'on était en phase offensive, ça s'équilibrait. Tu avais Seri qui descendait un peu au niveau des défenseurs, pardon. Et tu avais
Amani et Kessié de part et d'autre qui lui fournissaient des solutions. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'au final, le match, et comme tu as dit, la bataille au milieu de terrain s'est gagnée, en fait. Parce qu'il y a eu un réajustement. Bon, en tout cas, on a eu un rassemblement sympa. Un nul, l'hommage de Gradel, une victoire de prestige contre l'Uruguay. L'Uruguay n'a rien vu du match, donc on va voir pour la suite. Juste avant qu'on ne termine, j'aimerais bien avoir ton avis sur la prestation en attaque, de Oumar Diakité. Parce que moi, j'ai un avis, c'est que les gens sont trop sévères avec Konaté. Les gens disent que Konaté ne vaut rien, Konaté n'a pas sa place avec les Haïda, retourner les U23 et tout. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça, parce que j'ai l'impression que le système dans lequel la Côte d'Ivoire joue, c'est un système qui met uniquement en avant les attaquants qui peuvent jouer en pivot, dos au but, déviation, tête dans la surface. Et on a vu le match de Diakité hier qui était très compliqué, alors qu'à Reims, il joue en pointe et ça se passe bien. Toi, c'est quoi ton avis, et surtout sur le fait que les gens disent que Konaté n'est pas bon? Parce que moi, je trouve que c'est absolument pas vrai. On le fait rentrer toujours dans des situations compliquées, même hier encore. On le fait rentrer dans des situations compliquées. Et son jeu, la façon dont il joue, donc un peu dans la profondeur, en appel contre appel, 1-2 et tout, c'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire joue. Donc, ça ne le met pas forcément en avant. Toi, c'est quoi ton avis sur la question, et on va terminer? Concernant Karim Konaté, je ne dirais pas qu'il est nul. Hein. Voilà, parce que tu ne veux pas dire à un joueur qui joue en équipe nationale qu'il est nul. Seulement que tu diras qu'il n'a pas le niveau actuel. Et tu penses que c'est un niveau? Je ne pense pas que ce soit le niveau, mais l'utilisation. Effectivement, tu vois, quand c'est vrai, on dira qu'on fait une mauvaise utilisation de lui. Mais comme on dit, un excellent joueur aussi, c'est celui qui parfois arrive à s'adapter, tu vois. Comme on le dit, l'équipe nationale, les places sont tellement chères que quand tu es sélectionné, le coach, il a un système, il te fait intégrer, et avant de venir jouer, exactement, tu sais qu'il y a l'entraînement. Tu es d'accord avec moi qu'on s'entraîne. Donc, c'est durant l'entraînement que le coach fait des essais, il met celui-ci, celui-là. Donc, du coup, tous ces joueurs qui sont convoqués là, ils savent quel système de jeu vont jouer. Donc, le coach sait comment il va te faire, il va t'utiliser. Donc, quand on te met, tu vois, là, tu mets Oumar Diakité qui, lui, en le mettant en pointe, on le met sur le côté, tu vois, qui se donne à fond pour essayer de se retrouver. Donc, qu'il y ait une mauvaise utilisation de lui, mais ça lui aussi de pouvoir essayer de rejoindre ce système de jeu qu'on l'impose. Parce que, comme on le dit, il n'est pas la vedette de l'équipe nationale. C'est lorsque tu es la vedette, c'est-à-dire, là, tu es un joueur qui brille en club et qu'on te voit comme l'espoir, qu'on essaie de construire un système de jeu autour de toi, comme Jean-Luc Gazet l'a fait avec Sébastien Leu, parce qu'on sait que vraiment, il a le potentiel. Mais lorsque toi, tu te cherches, n'as pas ce privilège-là, même si on te fait jouer en défense, que tu es un attaquant, mon cher, prouve que tu as le niveau d'être appelé en équipe nationale. Tu vois? Et il y a aussi le physique qui compte. Tu vois que Oumar Diakité, physiquement, il est là. Tu vois? Physiquement, il est là. Mais Karim Konaté, il lui manque le physique. Et ça, j'ai plusieurs fois dit. Il lui manque ce physique-là. Un attaquant, ça doit faire mal aux défenseurs. Il ne faut pas être gentil avec eux. Tu vois, hier, le but de Guéla Doué, il a marqué le défenseur, le but comme s'il était un avant-centre. Il a cherché ce but. Voilà. Il a blagué le gars, comme on le dit chez nous. Il a blagué le gars, il a fait comme il s'est dit. Il a mis son corps en arrière et le gars pensait qu'il avait pris. Or, la balle allait être sur le long côté. Donc, du coup, il a mis son pied. Donc, tu vois que si Guéla Doué était un attaquant, du coup, là, il marque des points. Donc, ça a quand même qu'on a été de se poser des questions à nouveau, d'essayer de se comprendre lui-même. Parce que si beaucoup le disent, c'est parce qu'ils ont vu qu'il ne pèse pas. Tu vois? Qu'il ne pèse pas. Donc, il n'est pas nul, mais qu'il se remet en cause parce que les places en équipe nationale sont tellement chères. C'est l'enseignement même global, je pense, de ce rassemblement, au-delà des joueurs un peu qu'on a pu pointer du doigt, c'est qu'aujourd'hui, la sélection ivoirienne, c'est compliqué d'être là. Donc, si tu viens, même si tu es milieu, on te fait jouer latéral, même si tu es défenseur de main en attaque, même si tu joues 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il faut que tu prouves que tu as ta place et que tu mérites d'être là, en fait. Moi, c'est mon constat global avec ce qu'on vient de dire. Effectivement, et lui-même, pourquoi on dit ça, tu vois? Parce que lui-même, en club, il n'est plus titulaire comme autrefois. Il joue que des bouts de match, tu vois? Donc déjà, c'est qui dit que même, c'est qui pour vous dire qu'en club, il avait derrière des soucis déjà, tu vois? Donc, tout ça, ça joue contre lui. Ok, bon, en tout cas, on espère que qu'ils se remettent en cause, et on espère que Karim Konaté
va se relever parce que il y a les binationaux qui sont là, il y a la U23 aussi qui sont là, il y a Mohamed Bamba qui est là, il y a Datro qui est là, il y a Ahmad Diallo qui est là. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui frappent à la porte, donc il doit se ressaisir. Bon, écoute, merci beaucoup le meilleur consultant. Merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Merci encore pour ta disponibilité. Peut-être un mot de fin avant de conclure. Déjà, merci à toi aussi. Merci. Parce que tu m'as fait signe. Et vraiment, chez nous, on dit un Ivoirien, il faut considérer l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Voilà. Donc, merci. Merci de me donner aujourd'hui l'opportunité de pouvoir m'exprimer à travers ton canal. Je pense bien que beaucoup pourront aussi me découvrir et sauront qui je suis. Ce qui concerne les éléphants, voilà, nous sommes satisfaits de ces deux rencontres, de ces matchs amicaux-là. Et on espère qu'on gardera le nouveau ainsi. Voilà, donc on prie Dieu aussi pour que nos joueurs soient prochainement tous présents et qu'il n'y ait plus de blessés. Voilà, donc merci encore. Super, on a dit beaucoup de blessures, donc on espère que la fin de saison de nos joueurs va bien se passer. Un bon parcours européen pour Indica, spécialement avec l'AS Rome, et puis une bonne fin de championnat pour tous nos joueurs. Donc, merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis. C'était Ivory Sports Talk, le podcast préféré, ton podcast préféré, avec ton podcasteur préféré et aujourd'hui ton consultant foot préféré. Merci pour la force que nous vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour un meilleur référencement. L'émission est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de stream de podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, et voilà. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, bye bye. Au revoir.